les gars, c'est Nokir 571. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pêche à la carpe dans l'étang de la Grande Chalonnaise. Pas le grand étang de la vidéo d'hier parce que ça mordait pas, logiquement. Donc, on est revenu ici en espérant que ça va mordre. J'ai récupéré mes cannes et tout. J'espère qu'on va faire une bonne petite session et j'espère vraiment que ça va mordre. Aujourd'hui il fait plutôt beau, il fait beaucoup plus beau qu'hier, le soleil s'est bien levé, il n'y a pas de vent du tout, c'est vraiment un temps comme les autres, comme toutes les autres vidéos sauf celle d'hier, ou celle où il y a des nuages, beaucoup de nuages. Donc on se retrouve dans cet étang pour essayer de prendre les plus grosses carpes, de battre mon record, parce que ce qui paraît il y a eu 11, je ne mens pas, il y a une 11 kg dedans, une 16. Je sais qu'il y a une 11 kg dedans, mais il y a ce qui paraît, il y a une 16. Le but c'est d'essayer de la choper. Je vous dis tout de suite, c'est d'essayer de la choper. Donc je me retrouve encore avec tout le matériel. Voilà, je me suis installé, je me retrouve ici, le spot habituel. Et la petite bouette que j'ai mis là. Et là, le soleil est plein face. Voilà, donc je vais passer la journée ici. Juste de terminer le matériel, il est 7h23, donc 7h30. Bon, ça va bientôt faire une heure que je suis arrivé. Donc le temps que je monte le matériel, c'est tout bon. Le temps que je reprenne l'habitude aussi à lancer avec mes cannes, parce que mes cannes sont vraiment légères. Et quand je dis légères, c'est... J'adore ces cannes, mais un peu trop légères, faut un peu plus rigide ce que je veux. Et des nouveaux moulinets aussi, logiquement. Donc voilà, on va avancer toute la journée, je risquerai de remballer à 17h, ouais je pense 17h, et puis voilà, bon les gars, on attend le fish. Bah sinon les gars, là j'ai relancé les cannes, j'ai fait des petits trucs, bon, j'ai pris ça, j'ai fait un petit truc comme ça, j'ai mis des bouillettes dessus, une bouillette, j'ai mis par exemple, je sais pas, une bouillette coco qui est blanche. Et sur le machin là, j'ai mis des boulettes fraises. Ça change la couleur, ça fait attirer la carpe. Parce qu'elle est, elle se demande c'est quoi quoi. Donc elle va chercher, elle va trouver une couleur différente, elle va vouloir aller voir. Et ça va l'attirer. Il n'y en a qu'une seule canne que j'ai pas vu ça. Il n'y en a qu'une seule, c'est celle, bah, la Monster Trap. Quoi. Celle tout à droite que j'ai montrée. Donc là il commence vraiment à chauffer là, il commence vraiment à faire chaud. Bon c'est pas chaud canicule mais c'est le matin ça chauffe quoi. J'ai eu des grosses tapettes sinon sur la canne, bon ça va pas biper hein, mais c'est des grosses, des bonnes grosses tapettes. Je sais pas si c'était poisson chat ou une carpe qui essayait de prendre la bouillette, mais moi je pense plus que c'était un poisson chat. Donc voilà, voilà. Et puis, sinon sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Cliquez sur la cloche de notification, likez cette vidéo, logiquement, et toutes les autres que j'ai postées sur la pêche. Regardez-les, il n'y a pas de problème. Ça fait des vues. Puis voilà. Bon, allez, tous. Les gars, j'ai pas de mots. Franchement, regardez. La canne, elle est là. Elle s'est tankée dans les herbiers juste là. Voilà, cela. Elle s'est tankée ici et elle n'est pas repartie. Parce qu'elle a voulu partir là. J'ai essayé de la ramener vers moi quand même. Mais elle est partie. J'ai pas réussi à la ramener vers moi et elle était vraiment pas mal celle-là. C'était vraiment un beau départ. C'était pas une 3 kg ou un truc comme ça, parce que réellement la façon qu'elle tirait, c'est... Elle s'est tankée juste là. Vous voyez où est le trou là? Juste là. Et mon plomb il y est resté. Ça saoule les gars. Ça saoule vraiment. J'ai pas les mots. Et bah les gars là j'ai cassé, écoutez, hein. ça peut arriver qu'elle se tanque dans des endroits et qu'elle casse. Mais ouais, ça se coule. Ça se coule. J'ai pas pu filmer le combat, tout ça, mais
elle s'est tanquée dans le machin là. Je vous ai montré. Et ouais, elle s'est tanquée dans le truc. Et puis j'ai remonté, j'ai refait le montage. Et puis là, ça repêche. Ça saoule. Parce que ça, elle a gardé l'hameçon dans la gueule, elle a gardé. Elle a tout gardé. L'hameçon dans la gueule, le plomb, machin. En espérant qu'elle remorde après. Si jamais bon, la nappe dans la gueule, elle devrait pas mordre, mais si jamais un jour elle remord, je récupère mon hameçon et mon plomb. Bon, ouais, c'est un montage plus plomb, donc ouais, c'est bon. Mais que je récupère mon montage, quoi, je veux dire. Et la carte en même temps. Enfin bref, on attend la prochaine. Et en espérant qu'elle décroche pas. Parce qu'elle est partie sur le côté là et. Elle est partie sur le côté incontrôlable, elle tirait à mort. Avec mes cannes, tout ça, ma canne a se plié en deux. Et elle est partie. C'était peut-être la 11 kg ou la 16. Bon bah bref, on attend la prochaine. Alors là les gars, il vient juste d'arriver. Collègue de pêche. Ouais, il vient juste d'arriver, il voulait venir, tout ça. Et puis au moment qu'il arrive, j'ai un départ. Du coup elle décroche et c'est le départ sur une autre canne. Je suis heureux, j'ai au moins ma carte dans la journée. Bon, j'aurais préféré la grosse, ça c'est sûr, mais ça fait toujours plaisir une petite. Peut-être que j'aurai une grosse durant l'après-midi, je sais pas. Mais il doit y avoir un poisson chat sur le canne. Donc voilà, la carpe là, je vais la peser tout ça. Et puis je vous redis tout. Allez, let's go. Bon bah les gars, deuxième départ, une carpe, je sais pas combien elle fait, j'ai pas encore calculé. J'ai l'autre canne, je crois qu'elle est coincée dans le ventre, mais je sais pas ce que je vais faire, je vais voir. Mais voilà, magnifique carpe, départ, la même canne, parfait. À la booster crab encore une fois. Elle est belle celle-là, enfin une grosse, ça fait plaisir. Donc on va attendre la suite. Et tout ça. Allez, let's go. Voilà les gars, deux carpes, c'est magnifique deux carpes. J'avais cassé dès le matin, la journée a bien été rattrapée, voilà, j'ai tout remonté, c'est relancé, c'est nickel. Mon fil était coincé dedans, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé au niveau, j'ai récupéré le montage. C'est le milieu du fil, j'ai récupéré le montage, j'ai coupé le montage et j'ai mouliné, j'ai récupéré tout le fil qui était bloqué et tout ça. Et du coup il passait normalement parce que c'est l'hameçon qui le fait bloquer. Donc voilà, on va attendre le deuxième fiche. Donc 3 kilos la première et 6 kilos la deuxième. Donc merveilleux, première commune, deuxième miroir. Je crois que les deux c'était des femelles, je sais pas. Ou d'un mâle, je sais pas, les carpes ça se différencie. Voilà. Donc les gars, allez, on attend l'autre fiche. Bon les gars, on est en train de remballer. Il est à peu près 17h15. Donc on est en train de remballer tranquillement. Lui il a pratiquement fini. Moi, je suis encore à la canne à remballer tout ça. Bon, il n'y avait plus de bouillettes au bout. Bon, j'aurais pris deux carpes. On arrive dans le droit chemin. On est dans le droit chemin. Donc voilà. Donc là on est en train de bon, toujours laisser l'épuisette en dehors quand on remballe. À tout moment ça part. Donc voilà. Bon bah allez, on se retrouve dès que j'aurai remballé. Bon les gars, ça y est, je suis rentré de cette session. On a repris 2 poissons en tout. Hein, 6 kg et 3 kg. Voilà, 6 et 3 kg. La première 3, la deuxième 6. Donc j'ai tout remballé, collègue de pêche, il est parti. Ouais, il est parti avant moi, j'avais pas fini de remballer, mais voilà quoi. Puis c'est tout. Bon, en tout cas les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ceci, si ce n'est pas déjà fait. Mettez un like et la cloche de notification, super important. Les gars, ça donne beaucoup de soutien. Et un petit commentaire, je me ferai bien plaisir de vous répondre. Donc voilà. Bon bah les gars, c'était Nocker 571. Ciao les gens.
C'est Gris. La la la. La boiserie. La boiserie. La boiserie. Il aime la moto, la déconne. Toujours à mettre la gomme, même quitte à tout casser.